10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Press. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatton et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Press. Tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatton. Taxi Press. Taxi FM. Le monde en une radio. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM. Taxi Press de ce mercredi, ce sera avec Tchakala Alirou, le patron de l'hebdomadaire Courrier de la République, et Olivier Adjia, le patron de l'agence de presse, AFP Press, bien sûr, que nous analyserons les faits politiques avec les derniers événements de l'actualité chez nous, la discussion politique qui se fait désirer. Finalement, le Mania Libéré renseigne ce matin que les dirigeants de la sous-région exigent une feuille de route claire pour résoudre la crise. On reviendra sur le sujet, et puis sur la dernière sortie, celle de cette semaine du H-Krun qui refait surface, il faut le dire, et annonce indemniser très prochainement les victimes telles que recensées. On en parlera, nous placerons naturellement un mot sur le sport et les 600 millions de francs CFA qui se volatilisent donc de la nature. On reviendra un petit peu sur le sujet. Bienvenue. Taxi Press. Juste un mot sur les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Liberté qui évoque les violences militaires suite à la marche du 2 décembre. L'opposition dénonce la duplicité du pouvoir, de nouvelles manifestations annoncées pour les 13, 14 et 16 décembre prochains. Vous lirez l'article dans le journal. Le pouvoir et l'hypothétique dialogue. Un petit pas en avant, deux bonds en arrière, note le confrère Liberté ce matin. Il y a aussi l'hebdomadaire Fraternité, le Togo dans ses turpitudes. On indemnise, on recommence le crime et on fait pire. La liste des premières victimes concernées à découvrir dans le journal à la page 3. L'Union des forces de changement, une énième crise qui pourrait être le coup de grâce. C'est ce que le confrère analyse. Vous lirez l'article dans le journal Fraternité. Il y a le Mania Libéré aussi dans les kiosques. Un Togo à double visage, Faure Gnassingbé travaille pendant que l'opposition se complaît dans les rues. C'est l'analyse du journal qui parle bien sûr de la crise politique au Togo. Des dirigeants ouest-africains exigent une feuille de route pour résoudre la crise. Le triangle des enjeux, Faure Gnassingbé de plus en plus isolé. Pourquoi certains de ses pairs ne veulent plus le rencontrer? Élément de réponse dans le journal Triangle des enjeux. Remous au sein du RPT Unir, les langues se délient. Le parti va-t-il imploser? C'est l'interrogation du journal Le Triangle des enjeux. La dépêche aussi dans les kiosques, dans le chaos politique. Le groupe des 14 partis politiques dont la situation du CST d'alors, les manifestations s'amplifient, note notre confrère. Le journal qui parle aussi de Pagouda, le ministre Lorenzo qui lance la troisième édition du Festival national des griots. Les détails à lire dans le journal. La lanterne aussi, impossible mais vrai, encore à une grève de 4 jours reconductible. Et si le gouvernement crevait une fois pour de bon l'abcès, le confrère qui fait allusion donc à l'éducation avec les mouvements de grève des enseignants. Répression des manifestants par la soldatesque aux réflexes faciles. Une mesure qui dessert la politique d'apaisement de Faure Gnassingbé, écrit La Lanterne ce matin. Le journal qui évoque aussi les dessous de la sortie médiatique fracassante de Gilles Christ Olympio, Dr Sambiani Dimongu. Il n'y a pas de rupture entre le pouvoir et l'union des forces de changement. C'est dans le journal La Lanterne. Le libéral qui évoque le tronçon Nochen-Tonhu.
tout est pour le mieux, les travaux réalisés à 70%. Et puis UNIR, la réorganisation après la mise sur pied de l'aile féminine à Kpalimé et la branche hein, jeune vendredi prochain à Dapaon. C'est dans le journal. Le messager, route Notchen-Tou, 70% des travaux réalisés. Encore 6 mois de patience pour les usagers et les populations. C'est une route aux normes de la CEDEAO et donc nous avons obligation de qualité. C'est ce qu'a déclaré le PDG de Midnight Sun Group. C'est dans le journal Le Messager. Et puis Brigitte Kafui à Diamagbo, conseillère de Fort Nyasinghe, ironise notre confrère. Ce qu'il faut comprendre de la réaction de la coordinatrice du groupe des 14 partis, c'est ce que le confrère nous propose. C'est le journal Le Messager. Tingo Tingo, tentative de corruption ratée du trafiquant de bois Edem. ADJ, Kanaza et la brigadière de Chevier sont à encourager. S'exclame notre confrère Tingo Tingo ce matin. Résolution de la crise au Togo vers un démarrage du dialogue le 10 décembre. Yahi Boni s'implique aussi beaucoup plus. C'est ce que renseigne le confrère Tingo Tingo. L'article est dans le journal. Et le dernier journal avec nous, c'est le dialogue. Pour une sortie de crise au Togo, le dialogue est incontournable, écrit le journal. Toujours par rapport à la crise et l'appel au dialogue, Jean-Pierre Fabre et l'ANC, apparemment non partant, notre confrère, bien comprendre l'attitude du chef de file de l'opposition, c'est ce que le confrère nous propose. Et puis le chef de l'État, dans la préfecture de l'Est Mono, cette fois, Fort Nyasinghe pose la première pierre pour la constitution de l'Institut de formation agro-développement. Les détails, c'est à découvrir dans le journal Le Dialogue. Alors, outre Le Dialogue, ce matin, vous avez Tingo Tingo, Le Messager également dans les kiosques, Le Libéral, La Lanterne, La Dépêche également. Vous avez le journal Le Triangle des Enjeux, Le Mania Libéré, L'Hebdomadaire Fraternité et Le Quotidien Liberté. Avec mes confrères en studio, Olivier Adia, le patron de l'agence de presse AfriPresse. Bonjour Olivier. Bonjour cher ami Eric et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin. C'est toujours un plaisir. Bonjour grand citoyen d'État Tchakala, Alirou. Bonjour grand citoyen d'État Eric et puis bonjour à toutes les grandes citoyennes et tous les grands citoyens d'État. Merci d'être avec nous ce matin. Et nous allons commencer par un mot sur le sport. Depuis lundi, on en parle un petit peu parce que dans l'opinion, à chaque fois, on voit que c'est un petit peu la colère à l'idée de savoir que pour l'argent public, un peu plus de 600 millions de francs CFA sont dans la nature et depuis lors, ne semble pas nous dire véritablement qui sont ces responsables. Des responsables que vous... Enfin, cette situation que vous appréciez hein, à votre façon aussi, qui est une expression, je veux dire, de la délinquance et du gangstérisme économique. Vous maintenez ces mots Non, j'ai cherché et s'il y avait un mot plus fort que les deux utilisés, et j'en aurais fait usage. Oui, nous sommes dans un royaume où l'impunité se montre dans sa face la plus perverse. Le royaume carrément. Oui, c'est un royaume de l'impunité, le Togo. Les gens commettent des délits, des bourdes, des crimes financiers. Ils ne se sentent pas du tout inquiétés. Et vous comprenez que ça donne des envies à certains aussi qui ont une petite parcelle de gestion de notre économie de s'adonner à fond à ce que les autres font dans l'absolue impunité. Donc, je ne plains pas ces gens-là à partir du moment où en face, il n'y a rien qui puisse les inquiéter. Mais la dernière fois, vous voyez un peu comment les gens sont allés de façon décontractée, de façon aisée, rendre compte de la gestion de ces fonds de la CAN. Et pourtant, quand on devrait quand même mettre sur pied cette commission de mobilisation et de gestion des fonds, on nous a dit que ça serait géré de façon transparente. Nous y sommes aujourd'hui et que les beaux propos à nous abreuver se révèlent aujourd'hui et du n'importe quoi, ça manque de sincérité et c'est tout triste. 600 millions, imaginez-vous un peu ce que cela peut donner.
et que certains... C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, plus d'un demi milliard de nos francs, sans compter la surfacturation et toutes les vilanies dans la gestion qui ont été commises au niveau du Gabon. Donc vous comprendrez avec moi que toutes les fois que les éperviers se qualifient pour une compétition continentale, ça fait la part belle à certains. On ne va pas là-bas pour défendre les couleurs nationales. On ne va pas là-bas pour dire que non, le Togo va faire un long parcours. Mais on va là-bas parce qu'il y a de l'argent à se partager entre copains et coquins. Et nous avons encore assisté à ça. Et tenez-vous bien, on croise les bras, on sourit, on apprécie le gangstérisme économique. Par personne, depuis que ça a été fait, on aurait... Oui, ça fait une semaine. On serait dans un pays sérieux que des têtes déjà devraient tomber. Parce qu'on connaît ceux-là qui ont géré les fonds. On connaît ceux-là qui ont mobilisé. Et on connaît le montant mobilisé. Et oui, maintenant, par où ces 600 millions et plus se sont-ils évaporés? On n'a pas besoin de sortir d'une école de détective pour trouver la traçabilité. On connaît ces messieurs-là. On dit chez moi que quand on tire la barbichette, la bouche s'ouvre forcément. Oui, on les connaît. Il faut aujourd'hui quand même qu'on sévisse. Fort n'a pas pour adversaire X ou Y. Il a pour ses adversaires l'impunité qu'il a instaurée dans le pays. Ah, bon, est-ce qu'il faut mettre tout ça là au crédit du président de la République aujourd'hui? Absolument. C'est suite à un conseil des ministres qu'on a mis sur pied cette commission de gestion, de mobilisation, de gestion des fonds. Et on nous avait dit que non, on verra ce que la transparence prévale dans la gestion de ces fonds-là. Aujourd'hui, nous sommes là. Oui. C'est comme la parole du chef de l'État même ne vaut pas grand-chose aux yeux de ces prédateurs économiques-là. Ils ont fait ce qu'ils estiment bien, parce que d'autres avant eux ont eu à le faire dans l'absolue impunité. Pourquoi d'autres n'auraient pas cette envie-là de faire peut-être mieux? On se qualifie à la CAN pour que certains aillent soigner leur compte bancaire. Il faut que les responsabilités soient situées et il faut qu'on punisse avec la manière. D'ailleurs, il faudrait que les gens remboursent ce qu'ils ont pris par devers. Bon, il faut d'abord les retrouver et avant de leur enjoindre à rembourser les 600 millions de nos francs. Quel commentaire vous en faites, Olivier, au niveau de l'agence de presse Afri-Presse? Non, mais moi j'estime que tout crime se nourrit du silence, oui, de nous en tant que peuple et citoyens. Et il faut dire que notre société civile n'est pas aussi forte que ça. Et sinon, je crois que en dehors des pouvoirs publics, nous aussi, nous avons le droit de demander des comptes. En tant que citoyen, en tant que contributeur au denier public et au trésor public, nous aussi, nous avons le devoir, nous avons le pouvoir de demander à ce qu'on nous rende des comptes et que surtout, ceux qui ont été coupables ou se sont permis d'enfoncer leurs mains dans la cagnotte, puissent être arrêtés et puis remis à la justice et que la justice puisse faire son travail. Je veux dire que c'est récurrent, cette situation. Quand vous prenez en 2013, voilà une équipe togolaise qui est allée à la Coupe à la CAN. Et lorsque elle était elle était éliminée de la compétition. En quart de finale. C'est en ce moment qu'on nous a prélevé de l'argent. C'est au début de l'élimination que nous avons senti qu'on nous prélevait de l'argent. Et des milliards. Jusqu'à aujourd'hui, on sait que les gens ont fait du faux et usage de faux dans cette affaire-là, mais personne n'a répondu. Donc, ça renforce les adeptes du détournement. Ce sont des situations qui donnent le courage et des ailes à des gens de poursuivre dans leur entreprise de prévarication. Comprenez? Ah oui. Donc, c'est normal que pour 2017, les gens même, j'estime que les gens sont battus pour se retrouver dans les commissions parce que se disant que c'est une course au trésor. Ils savaient qu'ils allaient prendre de l'argent et ils savaient que personne n'allait les embêter. Donc c'est normal. Et c'est là l'impunité se nourrit les crimes se nourrissent de l'impunité et du silence. Maintenant, est-ce que
ça nous arrange, ça arrange l'image de notre pays. Non, ça c'est clair, hein, c'est incontestable que ça n'arrange personne. Enfin, à part ceux qui ont. À part ceux qui se sont servis. Alors aujourd'hui, il y a quand même une certaine société civile qui semble s'organiser pour quand même porter plainte et demander des comptes véritablement, puisque nous savons ceux qui ont géré l'argent. Non, pour ce genre de choses, et il faut en même temps sauter sur l'occasion. Parce que le temps profite la plupart du temps à ces bandits, criminel. À ces criminels. Donc, j'estime que dès que le rapport a été rendu public, il fallait déjà faire une communication puissante, mais aussi s'organiser pour manifester, pourquoi pas. Moi, ce sont des choses dont si on m'appelait pour manifester pour ces choses, je n'hésiterais pas une seule seconde. D'accord ? Parce que c'est un crime, et un grand crime. C'est prévu par nos lois, c'est des crimes économiques. Vous comprenez ? Donc c'est ahurissant que, je prends l'exemple, là, une minute. Oui, quand vous prenez le cas de Tidiane Gadio, oui. L'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, on dit qu'il a été corrompu et ils ont fait une affaire et il a eu une rétrocommission qui tourne autour de 150 millions, 200 millions. Mais pour ça, aujourd'hui, il est en détention. Maintenant, les gens prennent des milliards au vu et au su de ce qui est encore plus grave et ahurissant. C'est au vu aussi, tout le monde sait, le ministre même a dit, bon, qu'il y a eu ça, mais bon, que prochainement, ils vont essayer de mieux faire. C'est-à-dire, oui. C'est se moquer des 7 millions de Togolais que nous sommes. Et moi, ça m'écœure. Je suis d'accord avec un confrère qui dit, mais si c'est comme ça, demain, si moi aussi je me retrouve là-bas, peut-être que je ferai aussi comme ça. Parce il faut que, se servir. Mais nous tous sommes à la recherche de l'argent, mais il y a des principes. C'est parce que nous avons des digues moraux que parfois on se dit, bon, ce n'est pas moralement permis. Mais si on fait sauter ces digues-là, tout le monde peut maintenant le faire. On peut se servir à volonté. Chakala. Oui, c'est récurrent. Donc, il ne faudrait pas que nous qu'on se meuve pour peu. Parce qu'il y a eu pire que ça. Moi, je serais un économiste que je me pencherais sur une situation qui peut-être me vaudra un Nobel en économie. Quelle situation ? Le cas de 2010, où on est allé, on a mobilisé les fonds, il y avait cette ferveur-là. Je crois qu'on aurait mobilisé plus que les deux dernières cannes. Beaucoup d'argent parce que à l'époque les éperviers ça donnait quand même motif à aller à mettre la main au chéquier à sortir de l'argent. On a mobilisé, on est allé, il y a eu ce fâcheux incident de Cabinda, on n'a même pas touché une seule seconde au ballon. On arrive, on nous dit qu'on est déficitaire. Vous voyez ? Donc un économiste, si moi j'avais fait des études en économie, je me pencherais pour voir comment est-ce que c'est possible qu'on puisse mobiliser des fonds et qu'on n'ait même pas joué. Et qu'on revienne et qu'on nous dise que non, qu'on nous dise qu'on est déficitaire. Là, si j'arrive peut-être à dénouer l'énigme à ce niveau, peut-être que ça me vaudra un prix Nobel de l'économie. Oui, mais malheureusement, ça a commencé comme ça et ça continue. Tous les ans, c'est comme ça. Peut-être le montant de ces deux dernières cannes-là, c'est les 600 millions. Hein, souvent, oui, 600 millions, 600 l'année dernière, millions. Les comptes qui ont été faits donc 4 ans après révèlent qu'il y a un trou de 628 millions. Cette année, on nous fait comprendre que c'est 600 millions, quelque chose sans CFA. Mais au moins en 2013, on a franchi un cap. Pour une première fois. Oui. On est quand même allé au second tour, ce qu'on n'a jamais fait. Au moins, il y avait un motif de soulagement, parce qu'on dira qu'au moins le Togo est dans toutes ces compétitions auxquelles il a pris part, a au moins une fois marqué son territoire en allant au second tour. Là, on peut quand même, mais pas pour autant quand même deux choses. Mais vous voyez, la dernière fois, il y a eu entre griffes un match dit truqué, et vous voyez toute l'armada qu'on a lancée pour que la lumière se fasse autour. Comme si c'était un cataclysme. Et il fallait chercher quand même les mobiles, ce qui a sous-tendu tout cela. Non, c'était une mauvaise chose, il fallait comprendre. Il y a plus grave. Mais on se tait comme des carpes. On se tait. Il y a plus grave, 600 millions. Au même moment, depuis la rentrée, les gens cherchent de l'argent parce que certaines promesses ont été faites aux enseignants. On n'a pas tenu. Bien sûr. Les 600 milliards, vous savez ce que ça peut faire pour relancer notre football en D1 et D2? Les 600 millions, vous savez ce que ça peut faire
avec des terrains qu'on pouvait construire. Mais là, c'est trop facile, c'est trop facile. Moi, je crois que il faut que la gendarmerie et même la justice se saisissent de ce dossier. On n'a pas besoin de la saisir. Pourquoi est-ce que le procureur justice, de la République... Oui, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas dans notre pays? Non, mais nous sommes dans un pays... Ailleurs, on voit très souvent, la presse révèle une affaire, il n'y a même pas une heure de temps, deux heures de temps, la justice, le procureur, qui se saisit rapidement, qui ouvre une information judiciaire. Non, nous sommes dans un pays atypique, où ce qui émeut ailleurs ici, là, ça fait sourire, et les gens ont le sourire jusqu'aux lèvres. D'ailleurs, vous savez, ce mépris-là, c'est matérialisé par quoi ? Par le caractère décontracté de ceux-là qui sont venus, chose. Ah, et un ministre de la République qui dit que... présentez le rapport. Un ministre qui dit que non, vous comprenez, la prochaine fois, on ferait mieux. Là, c'est une abomination. C'est une... Est-ce que ce n'est pas aussi une vérité ? Non. Là, c'est consommé. Non. La prochaine fois, on se comporterait mieux. Ça ne peut pas être aussi facile comme un État ne fonctionne mais pas comme vous ça. Vous voyez, les petits voleurs de portables et de poulets, ils croupissent en prison. On les oublie certaines fois, ils font 3 ans, 4 ans, 5 ans le jour, peut-être par extraordinaire, on estime que quelqu'un chose, on le relâche. Mais ici, des gens volent des milliards, des millions, au su et au vu, on claironne ça, on fredonne ça à longueur de journée. Ces gens-là ne sont même pas inquiétés. Et pire encore, ils vous narguent. Ce que vous avez à faire, il faut le faire. Certaines fois même, en enquêtant sur certains dossiers pour vérifier, celui-là qui est au cœur peut-être d'une certaine malversation vous dit, mais vous tirez à combien d'exemplaires? Vous lui dites peut-être à 3 000 choses. Il vous dit, mais je peux vous donner l'argent pour que vous multipliez à 7 millions d'exemplaires, pour que chaque Togolais ait un exemplaire, qu'il s'en fout. Non, c'est ça, Non, c'est ça. C'est ça, parce qu'on a institutionnalisé le crime économique. On l'a institutionnalisé. Il ne se reproche rien, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Au-delà du fait que les gouvernants ne sanctionnent pas, ne briment pas ceux qui s'adonnent à ces genres de crimes, il y a aussi les responsabilités individuelles et moraux des citoyens que nous sommes. Est-ce qu'on dira peut-être à la fin que c'est ça, des citoyens qu'on a formés durant des années, finalement, au Togo? Non, je crois que vous savez... On a formé que des voleurs? Non. Le Togo, on n'a pas seulement que un problème politique. C'est-à-dire, la crise au Togo n'est pas que politique. Elle est aussi morale. Profonde. C'est une crise d'éthique et de moralité. Puisque ça n'existe plus. Ouais. La plupart du temps, le Togolais a perdu ça. On ne se meut plus. On n'a plus peur du sacré. Ce qui faisait peur avant, on n'a plus peur de ça. La dernière fois, je disais quelque part, mais... Avant, quand on nous parlait des fétiches, des vaudous, nous on avait peur. Mais aujourd'hui... Ah, on brave tout ça. Aujourd'hui, allez-y dans la forêt sacrée de Bain. C'est-à-dire, les fétiches ont été étouffés par les gaz lacrymogènes, si bien que certaines sont allées en exil. D'autres ont pris la route de la Libye. D'autres veulent traverser l'océan. Voilà, c'est-à-dire, le sacré ne fait plus peur aux Togolais. D'accord ? Si bien que un frère, un ami, un citoyen togolais qui veut aider son pays et qui est installé ou qui a une société au Gabon, une société qui s'appelle Radar, si je me trompe. Oui, c'est ça. Radar Transport. Facture ses prestations au double du prix que les entreprises gabonaises le font. Ça, c'est pour aider. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème soit de logique ou de moralité. Quand vous voyez derrière, c'est parce qu'il y a des Togolais, des fils et filles togolaises, ou bien togolais plutôt, qui lui ont dit que c'est comme ça doit se faire pour que derrière, ils puissent se partager les ristournes. Le chef de l'État, dans un de ses discours, a dit que l'administration, c'est la surfacturation qui est la course. Aujourd'hui, qui est l'élément ou bien l'habitude des gens. Mais on a continué et on continue encore par faire souffrir. Les gens sont allés. Hier, j'écoutais quelqu'un en venant ici qui dit, mais les gens, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et autres, le Cameroun, ils sont allés à la CAN. Certains même ont gagné la CAN avec un budget d'à peine 3 milliards. Oui, d'à peine 2 milliards. En 2013. Mais nous, on est allé, on a été dernier avec un budget qui tourne autour de 4 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de logique?
Ça n'a aucun sens. On est revenu plutôt que celui-là qui est resté jusqu'en finale. Mais voilà. Et au-delà de ça, moi j'aimerais attirer l'attention des autorités, surtout du chef de l'État. Ceux qui font ça, en réalité, ne lui rendent pas service. Parce que, en tant que citoyen... Alors, si nous estimons que les institutions sont indépendantes dans notre pays, le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Si un citoyen vole ou est responsable d'une situation, il y a la justice qui doit faire son travail. Non. Est-ce que c'est Faure Gnassingbé qui doit aussi venir faire le travail de la justice sur ce coup? Non. Ah, non, ce que je dis, je ne dis pas qu'ils viennent faire leur travail, mais ils peuvent réagir. Parce que dans ces fonds dont nous parlons, 90% viennent des caisses de l'État. Puisque cette année, ce qu'on oublie, c'est que... ce n'est pas son agent, mais c'est lui, le président de la République. D'accord? Le garant du bon fonctionnement de toutes nos institutions. D'accord? Vous allez vous rendre compte que les populations ont été réticentes à cotiser cette année. Bien sûr. Parce que, voilà, il y a le ver de terre ou bien le serpent qui nous a mordu en 2013. Donc, on a vu le ver de terre en 2017. On ne va pas encore mettre nos pieds. Mais c'est l'argent de l'État. Donc, normalement, Faure Gnassingbé pouvait réagir. Même s'il ne réagit pas, les citoyens seront frustrés parce que c'est leur argent. Et s'ils sont frustrés, celui qu'ils vont vouloir punir ou celui vers qui leur colère va aller, ce n'est pas ceux qui ont pris de l'argent. Hein. C'est le président de la République. C'est lui que les citoyens voient. Ils ne voient pas les voleurs. Vous comprenez? Donc, demain, dans les urnes, les gens, en voulant mettre leur bulletin, ils vont penser, ah, mais si je mets ça, les gens qui prennent les 600 milliards, les 600 millions, les milliards, vont encore rester. Donc, je ne mets pas pour eux. Et ça dessert sa politique. Il doit aussi avoir l'esprit cela. Oui, il y a déjà un cas qu'on n'a pas fini d'oublier. La fameuse route Lomé Vogan, enfin, on l'évoquait ici avec les confrères. L'État quand même dit que, bon, au-delà de tout, il va réinjecter de nouveau de fonds dans la cagnotte pour les mêmes travaux. Oui, Tchakala. Non, ce qui émeut et qui met en transe peut-être les premières autorités du pays, ce n'est pas les vols répétés, ce n'est pas la kleptomanie qui a pris siège dans tous les compartiments de notre administration. Mais je crois qu'on sévit avec la manière quand on lorgne du côté du fauteuil présidentiel. Je crois que c'est la seule chose qui émeut finalement. Ah bon? Non, si! C'est-à-dire que si vous convoitez le fauteuil de Faure Gnassingbé, finalement, vous risquez plus que. Oui, c'est finalement ce que je crois comprendre à travers un certain laxisme qui est né. Vous pouvez tout faire. On va fermer les yeux. Mais ce que vous ne pouvez pas faire et qu'on ferme les yeux, peut-être, c'est de lorgner du côté du fauteuil. Il faut dire les choses telles qu'elles se passent pour créer cette rébellion, pour que les gens arrivent à mettre fin à certaines choses qu'ils font de façon relaxe. Mais moi, il y a la justice, cette histoire d'atteinte à la sécurité de l'État, cette histoire pondue de toutes pièces que non, et escroquerie internationale. Vous avez vu comment la ferveur avec laquelle la justice était mêlée à la chose? Parce qu'au bout du fil, il y aurait des trucs. Mais ça là, c'est grave. C'est grave. Quand on parle de certains crimes économiques, ça choque la conscience. Ça choque la morale. Ça choque l'éthique. Mais on est tranquille dans son petit coin. Bam, les gens peuvent voler, ça va bon chose. Mais quand alors, il s'agit, quel citoyen finalement peuple le Togo? Non, des corrompus avec c'est un groupe de gangs. C'est un groupe de gangs et ils sont solidaires dans le mal. C'est pas ma vieille qui est dans son village quelque part qui ça donne à ça. Chez eux, c'est sacré. Tu perds 5 francs, la personne retrouve 5 francs. La personne va te dire que non, j'ai retrouvé 5 francs. À qui ça appartient? Mais ici, non, on ne vous dira pas ça. On prend. Et vous n'avez pas le droit de dire qu'on a pris. Vous qui, peut-être, allez donner le ton qu'on a volé, c'est vous qui allez faire les frais de cette justice-là. Bon, aujourd'hui vous le dites si facilement, personne ne vous inquiète. Depuis lundi, on vous a inquiété, vous l'avez écrit. Non, je l'ai écrit, mais personne, parce que c'est tout à fait normal. Les gens dansent avec la même personne. Les gens dansent avec la tête et on y va comme ça. Ça ne choque pas. Mais la justice... Le procureur de la République devrait se saisir. Vous avez vu cette histoire de tilapia, dites contaminé. Oui, contaminé, oui.
C'est des morts qu'on devrait inoculer aux gens. On n'a pas besoin de claquer le doigt pour que la justice fasse son travail. Parce qu'il y avait un péril. Il y avait une question de vie et de mort à cause de la cupidité de certains. Mais cette histoire n'est plus. C'est comme on a. L'amende, c'était de 100 000 francs. Vous voyez comment est-ce que les gens s'amusent dans ce pays? Hein? Et depuis la rentrée, sur une soixantaine de jours, plus d'une vingtaine de jours, on sont comme ça vendangés, les enfants sont dans la rue. Quand je venais à l'émission, j'ai vu plein de jeunes enfants dans les rues, parce qu'il y a une grève. Et combien ces enseignants la demandent? On ne sait pas. Non, mais moi, j'aimerais quand même poser une question. On va passer à un sujet aussi, allez-y. Tout ça m'impose la problématique de... l'utilité des éperviers, de l'utilité de leur participation aux compétitions. À des compétitions. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a un désamour au-delà des résultats en dents de scie des éperviers qui n'attirent plus forcément certains Togolais. Et il y a un désamour qui va commencer par s'installer entre les supporters et l'équipe nationale. Non, mais c'est absolu parce que vous savez, lorsque au nord des éperviers, les gens sont devenus des gangsters, les gens sont devenus de grands bandits, c'est-à-dire il y a un braquage des deniers publics. En tant que citoyen, si j'aime mon pays, je vais vouloir à ce que les éperviers restent à la maison à chaque fois qu'il y a une compétition. Parce que si ouais, bien sûr, si on leur ils ont la chance d'aller, c'est en réalité c'est une malchance pour le pays. C'est un malheur pour le pays que les éperviers prennent pas. Non. Sérieux, imaginez qu'on prend jusqu'à des milliards au nord des éperviers, ça disparaît. 600 millions disparus. Vous croyez que si 600 millions, c'est pas un malheur si vous perdez 600 milliards, mais 600 millions. 600 millions fois 2. Hein. Mais oui. Imaginez, en 4 ans, c'est beaucoup. Donc, est-ce que les éperviers, l'utilité de leur participation d'abord à des compétitions, ça c'est un. Et maintenant, l'autre aspect, c'est que est-ce qu'on ne prendrait pas ces cagnottes-là pour aider d'autres sports. Parce qu'il y a des sports qui ont besoin, des fédérations qui ont besoin d'à peine 10 millions pour fonctionner. 5 millions. D'autres même, pour aller à des compétitions au Bénin, ils ne trouvent même pas une voiture qui va les amener à Cotonou. Oui. Vous comprenez ça? C'est-à-dire à peine 1 million. Maintenant, au nom des éperviers, on investit des milliards et les résultats ne suivent pas. On est allé à une compétition, on est dernier. En 2006, c'est hier ou bien avant-hier, je lisais à quelque part que la FIFA, on a classé les pays qui ont participé par accident. Bon, le Togo s'est qualifié proprement. Vous étiez là, vous avez vu. J'étais là, mais vous comprenez ça, mais c'est la gestion. Il n'y a pas d'accident là-dedans. Non, je ne dis pas qu'il y a d'accident, mais voyez-vous, sur le plan international, comment les gens traitent le Togo, ce n'est pas par ma faute, ce n'est pas la faute de ceux-là qui sont à la tête. Si on avait bien géré les choses, notre participation, et si on avait continué pas à gérer comme le Ghana, la Côte d'Ivoire qui sont retournés à la Coupe du Monde pendant, mais les gens allaient nous respecter. Mais depuis qu'on est allé, on est revenu, c'est fini. Oui. Et encore avec plein de problèmes, on n'a plus de résultats. Alors aujourd'hui, on va lorgner du côté du patron de la supervision, le ministre des Sports. Clairement. Oui, de toutes les façons, je crois que c'est lui qui était le président de la commission de supervision, de mobilisation, de tout ça là. Donc, qui était l'ordonnateur? Qui sont ceux qui ont dépensé les fonds? C'est facile de les retrouver. Ceux qui sont mis de l'argent dans la poche, c'est facile. C'est un groupe. On connaît ceux-là qui ont composé les commissions. Prenez-les un à un, mettez-leur un peu de pression, ils vont parler. Non, pourquoi leur mettre la pression? On les enferme. Le patron, celui-là qui chapeautait tout, c'est qui? C'est le ministre Leroy. Il ne faudrait pas que, quand on dit ministre de la communication et tout ça, il faut l'indexer. C'est le ministre Lorenzo, Guy Madié Lorenzo. C'est lui qui est. Il faut l'interpeller directement. Il faut l'interpeller directement et on saura ce qui s'est passé sur les 600 millions. Il a dit qu'on fera mieux prochainement. Non, c'est trop facile. C'est trop facile de prendre 600 millions, de se le partager entre copains et de venir rendre les comptes de façon décontractée, relâche, le sourire jusqu'aux oreilles et dire que non, mais vous comprenez, la prochaine, on va faire mieux. C'est trop facile. Moi, j'estime que c'est un acte de gangstérisme qui mérite que ce soit sanctionné avec rigueur. Et non seulement qu'on les prend et qu'on les enferme, mais mieux encore, qu'ils remboursent
Les 600 millions, ça servirait à quelque chose. On vient d'apprendre quand même qu'au niveau de la Fédération Togolaise de football, jusqu'à ce matin, ils n'ont pas le contenu de comptes. Ils n'ont pas le rapport. Ils ne connaissent pas ce qu'il y a là-dedans. Ce n'est pas ahurissant, ça. C'est ahurissant. Parce que la fédération qui n'a pas de comptes, alors là, j'estime que... La fédération ne sait pas... Et c'est dangereux. Il faut tirer en réalité les conclusions ou les leçons voilà, de nos erreurs passées. Quand vous prenez les commissions, on voit c'est pratiquement les mêmes têtes. Oui. C'est-à-dire, c'est comme le dit quelqu'un. La solidarité dans le mal. C'est une coterie, c'est une fratrie, c'est une confrérie. Qui sont c'est la ensemble. Mafia. Et à chaque moment, ils se cooptent et ils savent comment l'argent circule et ils se mettent dans la poche. Rien n'est fait. Le mode d'emploi est bien défini. Oui, le mode d'emploi est défini. Comment devenu un détourneur au Togo, mais quand vous les voyez, ils peuvent écrire des livres. Il y a une commission là-haut pour de lutte contre la corruption. Oui, les crimes assimilés. Assimilés, là. Voilà un exemple. Voilà quelque chose qui se présente sur un plateau doré. Est-ce que ça fonctionne réellement, ces commissions mises en place? C'est qu'ils étaient envieuses. On ne sait pas pour quelles raisons, mais voilà. Envieuses avec un pays où, tous les secteurs, il y a des problèmes de détournement. Voilà. Cette commission, normalement, si elle fonctionnait, elle ne pouvait même pas dormir. Pendant 365 jours, elle ne pouvait même pas dormir parce que il y a tellement de choses dans ce pays, dans l'administration. Le crime économique est devenu, je ne sais pas, un sport national. Et lorsque vous avez une opportunité, mais vous mettez plein les poches, vous graissez certaines pattes et puis c'est tout. Ça passe comme une lettre à la poste et c'est nous en tant que citoyens qui en pâtissons. Pour une presse responsable qui joue à fond son rôle, la presse privée togolaise, pour l'aide de l'État, la presse, on a combien? On a 100 millions. Oui. Qu'on se partage. Et ça ne peut pas faire un mois de parution si, pour des hebdomadaires. Non, l'argent, ce n'est pas pour assurer vos parutions. Franchement, c'est pour nous encourager. Oui, mais pas pour assurer les parutions. Vous avez créé des organes. Non, c'est que jusqu'alors, vous comprenez, si bien on sûr. Devrait s'en tenir à ce qu'on nous partage, des gens ne paraîtraient pas plus d'un mois sur les 12 mois. Oui. Vous comprenez que, nous avons créé nos entreprises, nous assumons. Oui, bien sûr. Mais des gens comme ça qui se retrouvent avec 600 millions. Moi, j'ai appris qu'un ministre aurait pris plus de 300 millions dedans. Dans cette affaire. Moi, j'ai appris ça. Non, les enquêtes, c'est qu'on n'a pas besoin d'être. Non, sur les 600 millions. Vous savez que moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Un ministre, à lui seul. À lui seul. A pris. Plus de 300 millions dedans. Un ministre de la République qui est censé quand même discipliner. Vous avez le nom qui... Non, je ne donne pas le nom. Mais dénoncez-le à la justice. Non, mais c'est. Bon, non, ce que nous sommes en train de claironner là, c'est des dénonciations. Parce que ça choque. Ça choque. Et après tout, c'est le président de la République qui va prendre des flèches. Parce qu'à un moment, les ministres de la République ont gaffé. Parce que jouissant d'une certaine impunité. Donc c'est ça. Nous sommes dans un royaume. Et l'impunité, ça va. Alors, on va passer à un autre sujet. Vous savez, la semaine dernière, on a assisté à un événement assez douloureux et ça concerne nos amis transporteurs, des conducteurs de Sotral notamment. Il s'est passé un événement assez choquant au niveau du collège protestant à hauteur de Tocoin, au hôpital, où un étudiant, carrément, qui a été donc fauché dans la fleur de l'âge. Il a été tué. On en avait parlé même sur nos antennes ici avec le témoignage du conducteur de Sotral. L'étudiant en question a été conduit dans sa dernière demeure cette semaine et c'était très émouvant. Non, c'était émouvant, c'était très émouvant, que ce soit à la veillée funèbre, que la messe qui devrait conduire le regretté Daniel Dautier à sa dernière demeure. L'émotion était vive. Et les gens étaient inconsolables. Le prêtre même, qui est censé peut-être se retenir, n'en pouvait plus. Il a fondu en larmes. Tous ceux-là qui étaient là, c'était émouvant. Finalement, on se demande si les chauffeurs de Sotral sont vraiment recyclés. Sur quels critères on les recrute? Un jeune, un brillant élève, humble. J'ai eu la chance quand même de connaître ce petit. Ah. Il a eu brillamment son bac série C à presque 16 ans, 17 ans. Il allait au cours. Et voilà un bus fou qui le sert, ne lui donnant pas une marge.
de manœuvre pour peut-être échapper. Il vient, il le cogne et le petit n'a pas pu échapper aux roues arrière de ce bus fou. Il est écrasé. Et à un moment, devant la police, il dit que lui n'a vu personne devant lui. Là, il faut s'interroger. C'est un assassinat. C'est un meurtre. On n'a pas besoin. C'est un meurtre. Alors, et vous voyez ces gens-là rouler. C'est comme s'ils étaient en compétition de Formule 1. Oui, justement. Parce qu'au-delà de ce malheureux incident intervenu la semaine dernière et qui a coûté la vie à notre cher regretté Doche Daniel, il y a un autre sujet que ça pose. Comment obtenons-nous nos permis de conduire au Togo, aujourd'hui? Qui sont ceux-là à qui on remet ce fameux sésame? Est-ce qu'il y a des recyclages après qu'on soit passé par là? Mais vous voyez, dans certains pays, bon, j'attire que le mien aussi est sérieux. Toutes les fois que vous violez les codes de la route, on vous sort des points, oui, par rapport à choses. Ici, on ne fait pas. Vous pouvez à chaque heure tuer. Ça laisse froid. Ce monsieur, quand vous les voyez d'ailleurs, sur quels critères? Moi, je vais peut-être me focaliser c'est vrai peu plus. C'est vrai que les conducteurs de Sautral, des fois... C'est des Hamilton dans nos rues ici. Ça roule. Et c'est comme ils ont pris en adversité des taximens et des conducteurs de moto. Et certains passagers ont eu à dire que mais les propos que ces chauffeurs-là tiennent quand vous êtes dans les bus, c'est effroyable. C'est comme le bus RTG, là, le RTG, oui, leur donne ce quicus là à tuer. C'est comme ils sont protégés par le truc RTG, parce que relevant peut-être de l'administration publique. Donc, c'est des gens qui s'en foutent. Ils voient tous ceux-là qui empruntent la même, oui, voient que comme des adversaires qu'il faut tuer. Et le petit Daniel... Ce n'est pas la première fois que... Non, c'est fréquent. Écrase un citoyen. Non, c'est fréquent. Vous êtes... ils sont derrière vous. Si vous êtes malin, rabattez. Puis karma, laissez-les passer. Sinon, ils avancent comme des bolides, des monstres lâchés. Et curieux encore, ils connaissent où ils s'arrêtent. Mais c'est à vive allure qu'ils viennent. Et une fois qu'ils vous dépassent, ils serrent et ils gardent. Comme si tout ce qui viendrait derrière la salle ne les regarde pas. Vous voyez, donc c'est ce qu'il y a. Et puis on essaie de mentir que le petit n'a pas porté de casque. C'est à la mort qu'on a enlevé le casque à cette pauvre victime-là. C'est à la mort qu'on lui a enlevé le casque. Vous voyez, un petit frêle de 17 ans, marché par un gros bus comme ça. Vous voyez un peu ce que ça peut donner? Franchement, je crois que le chauffeur-là, c'est un assassin et la rigueur de la loi doit s'appliquer à lui. On n'a pas besoin de lui trouver une circonstance atténuante parce qu'il conduit un bus RTG. Alors, on est dans le dernier mois de l'année et en ces périodes de fin d'année, il y a quand même des accidents terribles. On doit être vigilant sur les routes également, mais beaucoup plus ceux qui sont des conducteurs de gros porteurs. Oui, moi j'estime que c'est un homicide. Que ce soit volontaire ou non volontaire, c'est puni. Et il faut d'abord qu'on le mette en prison pour un temps donné. Parfois même, c'est pour sa sécurité aussi. Oui. Parce que les familles, les proches de la victime, certains vont vouloir se venger. Donc, il faut mettre celui-là, le coupable, ou du moins, même s'il ne savait pas. Mais au-delà de ça, ça aussi repose même le problème du sérieux que nous mettons derrière tout ce que nous faisons dans ce pays. Aucun pays ne peut se développer sur le laxisme, la corruption et le laisser aller. Non, ici, il n'y a pas de corruption quand même. Hein. C'est un accident de circulation. Non. Je vais parler de nos permis. Vous avez posé la question. Ah, très bien. Comment on obtient nos permis? Il semble que maintenant, là, c'est tellement facile que... On n'a pas à se gêner. Hein. Derrière, c'est une corruption bien organisée. C'est-à-dire, vous donnez de l'argent. Parfois, vous allez ou vous n'allez pas. Même et pourtant, au niveau du transport routier, on nous a rassuré il n'y a pas longtemps qu'on a renforcé le système des examens. Non, vous savez, partout, l'homme est au contrôle de tout système. Où l'homme est au contrôle, je crois qu'on ne peut jamais être à l'abri de la corruption. Si on n'a pas la volonté de le faire, c'est une question de volonté. Que ce soit informatisé ou non, c'est l'homme qui a informatisé cela. Donc, c'est l'homme qui peut encore contourner ou frauder. D'accord? Maintenant,
C'est pourquoi c'est l'éducation morale, l'éducation civique qu'il faut donc renforcer dans ce pays. La sensibilisation la aussi. Au-delà de la sensibilisation, parce que nous avons, nous sommes, c'est comme une brique. Quand on peut la modeler, quand elle est encore fraîche, quand on la met, mais lorsqu'elle est déjà solide et dure, c'est difficile de changer. Quand à cet âge où nous avons, que nous avons plutôt, mais c'est difficile de nous faire sortir certaines habitudes de la tête. Donc il faut reprendre l'éducation par zéro avec nos enfants et ils vont nous remplacer et puis on va avoir un Togo meilleur demain. Aujourd'hui, les gens vont là-bas, ils payent des gens et ils ont leur permis de conduire. D'accord ? Et parfois, quand vous allez en Europe, vous êtes obligé de reprendre parce que les gens là n'ont pas confiance en ce que nous faisons en Afrique. Même la plupart de nos diplômes, même quand vous allez en Occident, on vous oblige à reprendre un cursus pour pouvoir vous contrôler. Oui. Ça veut dire qu'ils n'ont pas confiance en nous, ils n'ont pas confiance à la politique ou au système que nous avons installé en Afrique. Si bien qu'ils sont obligés de voir si on n'a pas fraudé. Alors que les Européens ne viennent pas ici avec leur diplôme, on leur demande d'aller dans nos écoles ou dans nos universités pour avoir des risquages ou se mettre à niveau. Mais nous sommes obligés de le faire quand on arrive dans leur pays. Pourquoi ? Et on ne conteste pas. Nous-mêmes sommes conscients qu'il y a un problème. Aujourd'hui, on parle de bus Sautral, mais il y a aussi les tricycles, vous les connaissez, qui aussi créent des accidents terribles sur nos voies. Non, mais c'est un truc à revoir. Mais s'agissant du permis, comment obtenir ? Il y a quelqu'un qui a envoyé quelque chose qui me fait marrer. Il dit, c'est simple. Vous êtes à la maison, on vous donne un numéro flouze, vous envoyez les fonds et votre permis viendra après l'envoi du flouze. Non, sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux, ça veut dire qu'il y a de la magouille, il y a la corruption. Mais le directeur Agbokpe a mille une fois certifié, je veux dire, ce qui se fait aujourd'hui au niveau des transports routiers. Ouh, non, oh là là, oh là là. On ne va pas ouvrir un autre débat autour. Ça risque de ne pas finir aujourd'hui. Mais il y a les tricycles là. La nuit, vous roulez, vous circulez et vous voyez quelque chose qui vient comme une moto. Vous vous trouvez né avec la chose et c'est un tricycle large comme ça. Vous comprenez un peu? Parce qu'on n'a pas mis les veilleuses là pour délimiter un peu, vous comprenez un peu, oui, ce que je veux dire. Bien sûr. Et c'est source d'accident. Et mieux encore ou bien pire, c'est les camions qui transportent les sables là. Sable. Oh non, eux, ils sont encore experts là-dedans. Moi, j'ai dit, quand je et pourtant, le gouvernement avait entre-temps, rappelez-vous, donné des heures auxquelles ces camions doivent circuler dans la circulation. Enfin, non, on les prend. Certaines fois, les policiers font leur job. On les prend. Vous savez à qui appartiennent ces camions ? Non. Le chauffeur donne un coup de fil et là, on le libère. C'est des gens qui se croient tout permis. Ce sont eux qui ont ces véhicules-là. Ça leur fait des sous et ils ne respectent aucune consigne qu'on leur a donnée. Donc, à tout moment, en pleine circulation, que ce soit à 7 heures, quand la circulation est dense, vous les voyez, ils n'ont pas de frein. Quand ils sont derrière vous, il faut leur dégager. Oui. Ou bien quand ils arrivent, si vous êtes sage, garez complètement, vous le laissez passer, après tout, vous le suivez. Donc je crois que c'est les seules conditions qui vous permettent d'avoir votre vie sauve, ces choses-là. Et puis, les visites techniques, ils n'en font pas. C'est des trucs. Et puis, des réadaptations. Les mécaniciens, nos mécaniciens, on voit parce que les freins ne tiennent pas. Il faut essayer de jongler pour peut-être essayer. Il faut commencer par freiner à 100 mètres avant l'obstacle. Vous voyez un peu. Et quand ces gens-là se trouvent face à face devant une situation, ils n'arrivent pas à maîtriser leur engin. Donc, c'est ça le drame. Non, mais ça pose le problème du laxisme dont je parlais parce que quelles sont les normes que nous avons aujourd'hui dans notre pays en matière de véhicules, de contrôle de ces véhicules. Les tricycles dont nous parlons, ce sont des véhicules qui n'ont pas d'équilibre. Oui, oui. La plupart qui se renversent très rapidement, qui n'ont pas d'équilibre. Il y a il y a eu un accident de l'autre côté de, rappelez-vous, du port autonome de Lomé. Absolument, absolument. Famille, oui, qui s'est éteinte. Oui. C'est ça, c'est-à-dire, et s'ils sont conduits par des jeunes qui n'ont jamais pris la route. On prend un gars qui est à la maison, qui dit qu'il est au chômage,
qui n'a jamais pris la route, ça veut dire qu'il n'a jamais acheté un vélo, il n'est jamais monté sur un vélo, et sa première expérience c'est tricycle. Il n'y a pas de permis pour les de conduire, il n'a même pas de passeport sans papier, mais c'est quelqu'un quand même qui va sur la route et qui conduit comme tout le monde. Il ne sait pas quels sont les codes, c'est quoi le code de la route. Lui, quand c'est pour se lancer sur la route et il arrive à destination. C'est comme ça, sa profession. Les gros camions, on ne contrôle pas leur durée de vie et les visites techniques ne sont pas faites. Et elles sont en route comme ça et puis rien ne se passe. Donc, oui, mais il y a aussi des véhicules en circulation en réalité qui ne doivent pas circuler. Normalement, ça circule dit, toujours. Quand ça arrive de parc automobile, au checkpoint où il y a des policiers et consorts, mais c'est extraordinaire qu'on laisse circuler tout ça là. Oui, c'est ça le laxisme, c'est ça le laisser aller. Vous comprenez? Et c'est quelque chose, on a pris cette habitude là depuis longtemps, si bien que pour changer, c'est pas cultivé, difficile. Finalement. On a cultivé, c'est devenu ça fait partie de notre être. Donc, il faut essayer d'améliorer. Maintenant, même le comportement des conducteurs. Vous êtes conducteur d'un camion ou d'un bus. Nous avons des routes qui sont aussi petites que un chantier au niveau des champs. Mais ils veulent aller à vive allure. Ils veulent même dépasser des voitures. Vous êtes conducteur de bus, mais quand vous les voyez se comporter... Le dédoublement est terrible. C'est terrible. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Et ils font surtout. Donc c'est à vous maintenant de reculer ou de lui laisser la place. Ah, c'est ça qui cause des accidents. Mais on ne prend pas, ce qui est encore plus grave, c'est qu'on ne prend même pas des dispositions pour mettre fin à cela. Donc, on va continuer par assister à des morts impunément. Et donc, on est en fin d'année. Et donc, c'est l'occasion d'aller à la vigilance. Oui, mais le décompte macabre, vous oubliez que chaque... Oui. Le décompte macabre, le ministre Yac va venir encore et dire au cours de ce trimestre, il y a eu 500 morts, il y a eu 600 morts. On est désolé, on regrette et c'est parti pour les 600 morts de l'année à venir. C'est ça. C'est incroyable tout ça. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable, on n'a pas de mots, c'est vraiment incroyable. On va quand même exhorter nos concitoyens à faire preuve de vigilance et à bien se comporter sur les routes pour éviter ces morts gratuites qu'on enregistre à longueur de journée. Il n'y a pas un seul jour où sur un tronçon il n'y a pas d'accident. Oui, malheureusement. Et la semaine sur passion, on en a compté plein, avec mort d'homme. Donc, surtout c'est... sur la voie de Adido-Gomé. Adido-Gomé, au niveau de choses là, et Kouvahé, la voie qui mène à l'établissement Kouvahé, souvent c'est là que de terribles accidents se produisent. La dernière fois aussi au niveau de Diagblé, il y a quelqu'un qui revenait avec son sac de charbon qui était complètement mis en bouillie par un camion de sable. Vous voyez tout? Oui, si, j'ai vu les traces parce que j'allais quelque part à Vaugan, j'ai emprunté la voie. Mais c'est comme les morts, ça ne nous choque plus. Quand vous êtes dans un gros camion bien élevé, que vous voyez tout ce qui passe un peu petit que vous là, bon, c'est un truc qui est bon à être écrasé. Alors, plutôt que d'avoir les policiers au niveau des carrefours ou au niveau des feux tricolores qui vérifient si vous avez votre permis de conduire, si votre véhicule a des papiers ou votre moto a des papiers, si vous avez ceci, telle pièce, si vous ne l'avez pas, si vous glissez quelque chose, on vous laisse partir, ou si vous êtes récalcitrant, on retire les documents, vous passez au poste pour les retirer avec l'amende qui va avec. Est-ce qu'il ne faut pas avoir des forces de sécurité qui circulent, qui sillonnent les rues, parce que c'est là-bas où on remarque les excès de vitesse et qu'on sort pour contrôler les citoyens, pour passer le message? Non, mais on a trouvé une parade à cet état de fait en
mettant des caméras à certaines, dans certaines rues. C'est comme ils ont même posé des radars où la limitation de vitesse devrait doit se faire quand vous allez au niveau de Casablanca. Oui, tout ça c'est... Là. Mais non, on peut passer par là. Si on ne dispose pas d'un effectif quand même important dans, au niveau des policiers qu'on sort, on peut aussi se servir de ça et s'en servir bon, pour verbaliser cela qui s'adonnerait à une certaine liberté dans... dans l'usage de la route. Mais on n'en fait pas cas. On préfère peut-être prendre les 200, les 500 quand vous allez sur la voie d'aller. Ils ne prennent pas 200. Oui, ils ne prennent pas 200. Quand vous allez... C'est 2000 maintenant. Quand vous empruntez la voie d'Aneha, oui. C'est que la surcharge, elle est légalisée. Elle est légalisée. Le matin, ceux là qu'on positionne là-bas, ils ont leur calepin et ils notent tous ceux-là qui viendraient s'acquitter de leur devoir. Le devoir, c'est quoi? C'est de donner 2000 francs. Et une fois que vous avez fait ça, ça vous donne la latitude de charger autant que vous voudrez. Parce que vous êtes acquitté de cela, de ce cérémonial-là. Donc, vous voyez des gens qu'on entasse comme des sardines qui viennent. Il suffit seulement de lever et la main aux policiers et qu'ils regardent sur son calepin si effectivement et votre immatriculation figure sur ce que chose-là. Donc, vous voyez, c'est le laxisme. La dernière fois, l'un des corps les plus corrompus, c'est la police. C'est la police. Parce que là où il faut sévir, on ne sévit pas. Parce qu'à un moment, il y a eu le jeu des pièces, des espèces sonnantes et trébuchantes qui est passé par la là. La corruption aussi à ce niveau, finalement. Hein. Non, je crois que, vous savez, ces officiers de police, normalement, pour qu'ils réussissent ce travail, devraient être payés à la hauteur. Quand vous gagnez 50 000, quand vous gagnez 60 000, vous croyez que lorsque vous avez des soucis, vous sortez de la maison et votre femme vous exige l'argent de la popote. Parfois même, elle déchire une partie de votre treillis parce que vous n'avez rien laissé. Vous croyez que quand vous arrivez sur la route, la première des choses, c'est de vérifier les papiers? Non. Non. La première des choses, c'est l'argent. On vous dit, est-ce qu'on mange papier? Non, la première des choses, c'est que vous allez d'abord vouloir de l'argent. Et lorsque le gars vous donne de l'argent, même s'il roule en brouette, vous le laissez passer. Bon, il faut quand même dire... C'est pas l'idéal. Dans le lot, il y en a qui se comportent quand même très bien. Non, mais c'est pour dire qu'il faut donner les moyens aussi à ces gens-là de faire le travail avant de les critiquer ou de les jeter. Voilà, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Lorsque vous avez faim... Vous ne pouvez pas être professionnel. Moi, je l'ai dit toujours. C'est que lorsque le ventre affamé, vous ne pouvez jamais être professionnel. Imaginez un Messi, un Ronaldo qui a faim. Vous croyez que sur le terrain, il va donner les prestations qu'il donne? Il ne peut pas. On suivra Ronaldo ce soir à Ligue des Champions, on verra bien. Avec mes confrères Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République, et Olivier Adia, le patron de l'agence de presse Afri Presse, nous allons parler politique. Mais d'abord, le Ashkun qui a rencontré la presse hier. Le Ashkun qui dit, qui renseigne quand même, hein, que c'est bon. La victime, la première hein, vague sera satisfaite. La liste est connue, les noms, on va indemniser. Et je pense que c'est ce que certaines victimes attendent depuis des mois et des mois. Est-ce que il faut faire confiance à ce travail qui est en train d'être fait véritablement? Comme le confrère Fraternité l'a écrit ce matin, bon, aujourd'hui on indemnise, demain on recommence le même. On tape, on tue, et on fait même pire. Qu'on ne tue pas. De garantie de non-répétition. C'est la garantie de non-répétition, l'idéal. Ça fait partie aussi des missions du H-Crow. Mais, à côté, il y a eu des victimes. Quoi qu'on dise, il y a eu des victimes. Depuis les années 58. Oui. Jusqu'en 2005. Et après 2005, il y a encore des victimes. Oui. Maintenant, les chanceux, aujourd'hui, peuvent pousser un ouf. Et dire, ah, enfin. Mais il faut aussi retenir que ce n'est pas tous... ceux même que le Ashkun a enregistré, qui vont percevoir, voilà. Ce n'est pas seulement en termes d'indemnisation pécuniaire, il y a d'autres indemnisations aussi, et une prise en charge morale, psychologique, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, d'autres choses. Mais,
au moins c'est un bon début. Moi, je note que c'est un bon début, qu'il faut arriver à aider les victimes de ces gens-là qui ont perdu la vie. Certains Innosama qui n'avaient rien à faire dans cette affaire-là et qui, aujourd'hui, qui étaient les soutiens de leur famille, qui étaient tout pour leurs enfants et aujourd'hui ne sont plus. Ces enfants-là... On ne peut pas remplacer ça. C'est irremplaçable. Puisque lorsque ça arrive comme ça, on crée des générations de malheureux. L'enfant qui a perdu son père et qui n'a plus poursuivi ses études se retrouve dans la rue peut-être et devient délinquant. Donc un problème pour la société. Un problème pour la société. Et si par malheur, entre guillemets, cet enfant aussi fait d'autres enfants, ses enfants, puisqu'il n'a pas eu une bonne éducation, il va mal éduquer ses enfants. Et c'est ainsi de suite. Donc l'impact est beaucoup plus profond pour ces familles-là. Il faut les indemniser et même les fonds qui sont mis à disposition, moi j'estime, c'est que c'est ridicule. Pour la douleur qui a été causée à ces familles, les fonds qu'on met à la disposition, c'est ridicule. En même temps, vous avez dit on ne peut pas quantifier tout ça. On ne peut pas quantifier, mais on peut quand même soulager. C'est différent. Au moins, on ne peut pas quantifier, mais on peut soulager. On ne peut même pas oublier, mais on peut soulager. Parce que la vie d'un homme, ça n'a pas de prix. C'est sûr. Mais au moins, on peut soulager. Lorsqu'il y a accident, par exemple, vous faites accident, vous perdez. On ne perd pas la vie de la personne, mais c'est pour vous aider et vous soulager, c'est comme ça. Quel est votre avis là-dessus, Tchakala? Non, le H-Crown continue son travail de Sisyphe, le perpétuel recommencement. Depuis, quand on a circonscrit les périodes auxquelles tous ceux-là qui ont eu à avoir des problèmes doivent être indemnisés, mais depuis là, il y a ce que nous vivons aujourd'hui est aussi plus considérable que le lot qu'on avait pris en compte pendant la période délimitée par 58-2005. Par le H-Crown. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre des enseignements par rapport à certains faits antérieurs et pour soigner. Vous pensez que si l'Europe s'est comportée comme nous on se comporte aujourd'hui, on aurait eu la troisième, la quatrième, voire la cinquième guerre mondiale. Quand on s'inscrit dans une dynamique de circonscrire un mal, il faut s'adonner à fond. Ça suppose quoi? La garantie de non-répétition, c'est très capital. Mais c'est comme on a escamoté des choses. Et c'est quand certaines crises naissent dans le pays que le H-Crown sort comme... pour créer une certaine diversion. Moi, je crois qu'il y a un manque de sincérité. Bon, en même temps, cette mission confiée à H-Crown, ce n'est pas aujourd'hui. Non. Et s'il y a des événements qui se produisent encore aujourd'hui, ce n'est pas la faute à H-Crown quand même. Hein. Mais on a claironné cette histoire qu'on va indemniser. La liste, une chose est de la sortir. On nous avait dit depuis quelque temps qu'il y a les fonds qui sont disponibles. On nous a dit que le H-Crown a eu 2 milliards ou bien combien de choses. Et on a dit que c'est en deçà des prévisions. Mais pourquoi c'est maintenant qu'on sort la liste? Et la liste qu'on a sortie, ça ne veut pas dire que les gens vont commencer par percevoir. Ben, s'ils doivent commencer, les victimes doivent commencer par percevoir, tant mieux. Maintenant, le décaissement qu'on attend, est-ce que ça va encore arriver ou bien on attendra encore peut-être 2020 avant de trouver encore 2 milliards pour choses? Au moment où les lots de victimes politiques continuent. Des gens qui perdent la vie, des gens qu'on martyrise, des gens qui sont traumatisés à fond. Je prends Mango, je prends Sokodé, je prends Bafilo, je prends d'autres localités encore qui ont vécu la même chose que ce qu'on avait décrié et qu'on a mis en place, la commission, le H-Crown. D'abord CVJR. La CVJR, donc c'est comme on ne veut pas grandir. C'est comme on s'inscrit dans une dynamique funeste de voir le pays être en proie à certaines difficultés qui soumettent la population à dure épreuve, qui agit sur le mental de la population. Donc, si aujourd'hui, on peut nous garantir que plus jamais ça, effectivement, on va observer qu'il y a plus de ces exactions qui se produisent, là, tant mieux. Oui, Fonia Sigbe l'avait dit. Mais à Tapamé, plus jamais ça. Mais on a vécu, sur la terre de nos aïeux. On a vécu des situations encore graves. Vous pensez qu'un jour, on va encore aller dire aux populations de Mango que non, plus jamais ça, et que cette population va dire, enfin, on nous a rassuré que plus jamais ça.
au même moment, certains se donnent des libertés. On n'a dit plus jamais ça. Mais la dernière fois, des manifestants qui revenaient de main nue, d'un lieu de chute de la manifestation, ont été pris à partie. Ah, 3K et à Tikoumé. C'est plus jamais ça, ça. Bon, il y a eu des raisons qui ont été avancées quand même. Hein. Raison de sécurité. Voilà. Non, quelle raison de sécurité? Ça, c'est la bêtise grandeur nature. On s'inscrit dans une dynamique. On veut aller au dialogue. Mais il faut marquer cette sincérité. Les gens qui sont allés, quelle chose? Les gens sont revenus de la marche, ils voudraient qu'ils passent par la mer pour regagner leur domicile. Non, pas par la mer quand même. Les gens sont venus de différents coins. Il y a des points de ralliement, de rassemblement qui ont été convenus d'un commun accord avec l'autorité. Et les gens quittent leur lieu, ils viennent. Mais on leur interdit de passer par l'état-major. Certaines fois, ils sont déviés, surtout quand tu es en route. On te dévie, les gens respectent cela. Maintenant, après la manifestation, il n'y a eu aucun incident qui a été signalé. Les gens retournaient chez eux, tranquillement, mais nus. Ils n'étaient pas à chaud. Et là, on pose des entraves. Bon, et... on nous renseigne quand même qu'il y a des informations selon lesquelles certains manifestants se ligueraient pour aller peut-être marcher sur la présidence de la République. Voilà pourquoi il y a eu... La présidente de la République, ce n'est pas un moulin. Ce n'est pas un moulin. Si les gens vont craindre parce que la présidente de la République, c'est à quelques encablures des gens qui chauffent, là, ça veut dire que la présidente de la République n'est pas aussi sécurisée que ça. Non. Et là, on devrait passer le message aux leaders et on leur interdirait que, ah tiens, nous militants, après votre marche-là, il y a telle artère qu'il ne faut pas emprunter parce qu'on nous a dit qu'il y a des dispositions. On n'a rien dit. On a mis les gens devant le fait accompli. Ils reprennent la route tranquillement après leur devoir accompli au niveau de l'eau. Et on pose des entraves. Alors, là, ce sont peut-être des manières qui refroidissent certains par rapport aux prochaines discussions. On a écouté le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, très, très récemment sur les antennes de RFI également, même à... lors de point de presse hier ou de la conférence de presse hier de la coalition, des événements finalement qui vont peut-être refroidir les uns les autres par rapport aux discussions. Non, je crois qu'en politique, il faut faire attention à ne pas être passionné, à ne pas faire des déclarations sous le coup de la passion, parce que à la fin vous allez créer d'autres situations. Oui. Ouais, parce que c'est plus facile de manipuler un politicien passionné qu'un politicien qui prend du recul, parce que supposons, hein, je me mets à la place des autorités. Si elles ne veulent pas aller à ces discussions, qu'est-ce qu'elles vont créer facilement de ce genre d'incident. Ces genres d'incidents. Connaissant qu'en face, il y a des gens enflammés qui peuvent, à cause de ça, dire bon, on ne va plus. Et c'est plus facile. D'accord. Et là, il y aura aussi un mobile, finalement, au niveau de l'opposition. Oui, mais ça arrange qui de ne pas aller au dialogue aujourd'hui? C'est-à-dire, à l'heure où nous parlons, en réalité, je l'ai toujours dit que le temps ne joue pas en faveur de l'opposition. Ça fait 3 mois que ça dure. La communauté internationale est intervenue, l'opposition a été ouverte à des discussions, elle a rencontré des gens, elle s'est engagée déjà. Donc, c'est difficile de faire encore marche arrière. C'est plutôt autour de la table des discussions que l'opposition peut imposer son point de vue et exiger peut-être du chef de l'État et du pouvoir, comment dire, du pouvoir en place certaines. Donc si le pouvoir en place aussi sait que aller à cette discussion, elle sera, comment il a coincé, bon, elle va prendre il mettra le pare-feu, il va traîner les pas et même il va vouloir créer une situation pour que cette discussion tarde ou n'est pas lieu. Et en même temps, présenter à la communauté internationale que ce n'est pas nous qui refusons. C'est l'opposition, nous on veut aller, mais c'est, voilà la déclaration de notre opposition qui dit bon, qu'elle n'ira pas parce qu'il y a eu un incident, donc qu'elle n'ira pas. Et dans tous les coups, ils vont gagner. Donc, je crois que je vais terminer, mais oui, cette déclaration de Jean-Pierre Fabre la dernière fois était très mauvaise, à mon sens. Peut-être que les gens ne vont pas partager ça avec moi, mais politiquement, sur le coup de l'émotion, il ne peut pas faire des déclarations. Normalement, il devrait se retirer et après faire un communiqué pour pouvoir embrasser tous les contours du problème. Mais dire en même temps que bon, voilà, il y a une situation et qu'on risque de ne pas aller. Mais si moi, je suis à la place du pouvoir, je vais multiplier alors cette situation. Si je veux, je ne veux pas aller. Je vais multiplier parce que
l'opposition, pour pousser l'opposition à l'erreur. Le pouvoir aussi a donné entre-temps des garanties, n'est-ce pas, pour apaiser le climat de tension, pour aller aux discussions sereinement. Parce qu'aujourd'hui, la crise n'arrange, nous a-t-on renseigné personne. Ni ça n'arrange personne. L'opposition. Ça n'arrange personne. Vous partagez l'avis de Olivier sur le sujet ? Non, je ne suis pas du tout d'accord. Quand il dit que le temps joue contre l'opposition, je ne vois pas la chose ainsi. Je ne vois pas la chose ainsi. Le temps joue contre le pouvoir, d'ailleurs. Le pouvoir a tout intérêt à ce que ce dialogue ait lieu. Ce sont certains conseillers du président qui sont sortis parler de l'incidence que ces marches-là ont sur l'économie nationale. Oui. Les pertes s'élèvent à plusieurs milliards de francs. Ça arrange qui ? Ça n'arrange pas du tout le pouvoir. C'est le pouvoir qui est comptable devant le peuple. C'est le pouvoir qui a ce droit-là de créer cette sérénité pour que les choses reprennent normalement. Ce pouvoir-là aussi, et on a compté sur un certain essoufflement de la manifestation. Mais on se rend compte que, surtout ce que l'on a vu le samedi dernier, c'est considérable la mobilisation. On a pensé que non, mais parce qu'à un moment, certains ont marché pendant peut-être 4 ans ou 3 ans. Là, on va compter aussi sur ça pour créer cet essoufflement. Mais plus on avance dans le temps, plus la mobilisation devient monstre. Autant gérer cette situation-là, aller au dialogue maintenant, que d'attendre que tout le pays soit embrasé avant d'y aller. Là, on ne sera plus en position de force. J'ai appris même que certains auraient dit que non, laissez-les, ça ne fera pas long feu. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ça fait long feu. Et ça fait effet de contagion. Des zones jadis reconnues comme des zones calmes où on ne manifeste pas. Mais ces zones-là, ces préfectures-là commencent déjà à pardonner des temps. Et ce n'est même plus les chefs de lieu de préfecture qui sont dans la dynamique. Il y a des localités prises isolement aussi qui sont en train de donner la voix. Là, ça veut dire qu'il faudrait que nous y allions. À partir du moment où, au niveau du sommet de l'État, on a défini certains canaux pour créer cet apaisement, pour que les gens manifestent de façon pacifique, il fallait qu'on s'en tienne à ça. Les gens manifestent, les gens suivent les itinéraires définis. Et maintenant, c'est au retour qu'on crée ces choses-là. Ça veut dire que quelque part, il y a des pôles de décision ailleurs qui créent des situations qu'on ne saurait gérer. Est-ce qu'il faut croire en ça? Non, parce que la dernière fois, j'étais à Tikoumé. Quand j'ai appris ça, j'étais à Tikoumé. Et il y a quelqu'un, une autorité, qui a envoyé un message à un ministre de la République qui a marqué son étonnement. Donc ça veut dire qu'en dehors de certaines personnes que nous connaissons qui peuvent demander à ce que certains policiers et gendarmes sortent pour sécuriser la chose, c'est comme il y a des décisions qui se prennent quelque part. Vous et moi n'allons pas craquer le doigt pour qu'un corps habillé se positionne quelque part. Non. Mais Brigitte Djamagoua dit aussi quelque chose la dernière fois sur une radio sœur. Quand il s'était retrouvé en face de cette situation, mais ils ont appelé les ministres concernés, Yark et Boukbessi, qui ont aussi marqué leur étonnement. Mais ils ont dit qu'ils vont gérer ça. Et en lieu place d'alléger le dispositif pour que les gens puissent partir, mais on a dû renforcer l'effectif là-bas avec ce que nous avions connu par après. Oui, les gaz lacrymogènes et consorts. Il y a des pôles de décision un peu partout. Et quand ça commence comme ça, c'est la chienlit qui s'installe dans le pays. Ça donne lieu à craindre le pire. Si on n'arrive pas à gérer ces situations. Les discussions politiques se font toujours désirer. Hein. Alors, à quel niveau ça cloche aujourd'hui? Non, je crois qu'on saurait le dire, mais normalement, le gouvernement devrait, en principe, déjà donner une feuille de route claire et avec les précisions sur ces discussions, le cadre, tout cela. Et que derrière, si l'opposition, maintenant, appréciait négativement cela, on aurait dit que l'opposition a refusé donc d'aller. Et c'est pourquoi moi j'estime que j'ai l'impression que le gouvernement, le pouvoir parle de dialogue tout en ne voulant pas ce dialogue. D'accord? Ah. Oui, parle de dialogue. Et l'opposition aussi, je ne sais pas si c'est par certains, c'est par complicité, parce que j'ai écouté un confrère hier ou avant-hier ici, qui disait qu'il est convaincu que ceux qui disent qu'il y a des incidents, donc ils n'iront pas au dialogue, jouent le jeu. Du pouvoir. Ils jouent le jeu, d'accord. Donc, oui. Jouent le jeu du pouvoir. Oui, bien sûr, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, d'accord. Je ne pousse pas le fait que les gens, on brime les gens parce qu'ils viennent
d'une manifestation où ils ont porté des habits à des couleurs. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, ça n'existe pas. Ce n'est pas un crime. Ce n'est même pas prévu par nos lois. Donc, c'est de l'arbitraire, comme on appelle ça. Maintenant, ça peut être aussi un piège, d'accord, pour pousser l'autre camp à la faute et dire que, bon, puisque vous nous parlez de dialogue, mais vous, au même moment, vous nous brimez, donc on ne va pas au dialogue. D'accord? Donc, c'est là que moi je demande à ce que ceux qui sont en face aussi sachent quel mot utiliser, quand il faut l'utiliser, avec quelle forme il faut l'utiliser, pour ne pas donner l'impression qu'ils sont de connivence avec le pouvoir. Et au-delà de ça, prions parce que mon confrère a dit quelque chose. C'est vrai, l'économie togolaise est aux abois. L'économie togolaise donc, est asphyxiée par ces manifestations. Ça n'arrange ni le pouvoir, ni l'opposition, ni aucun citoyen. Parce que l'économie, ce n'est pas la chasse gardée de quelqu'un. C'est nous tous qui apportons tout ce que nous gagnons. Ça fait partie de l'économie du pays. Donc, il faut faire des efforts pour qu'on sorte de cette situation. Ça, c'est le premier élément. Mon deuxième élément, c'est pour dire que si moi, je veux garder le pouvoir, ce n'est que l'économie souffre ou pas, ce n'est pas mon problème. Parce que dans les années 90, tout a été coupé. Il faut que l'économie se porte bien. Non, j'ai donné une condition. Dans les années... N'oubliez pas qu'on a coupé la coopération avec le Togo pendant plus de 10 ans. L'économie était à terre ou bien nageait. Mais les gens, le pouvoir était resté. Donc, c'est une question de logique. Si les gens sont dans une logique, ils mettront tous les moyens pour conserver cette logique-là. D'accord ? C'est que notre passé nous enseigne pour l'avenir. Sinon, on va répéter les mêmes erreurs. Le groupe des 14 partis politiques sur la voie royale du CST ? Non, je crois que les circonstances ne sont plus les mêmes vraiment. C'est-à-dire aujourd'hui, les circonstances ne sont plus les mêmes. On ira au dialogue qu'on le veuille ou pas. Maintenant, c'est une question de temps. Est-ce qu'on a le temps de perdre du temps? Vous m'excusez la technologie, mais est-ce qu'on a vraiment le temps pour perdre aujourd'hui? On n'a pas ça. Mais j'ai l'impression qu'on perd le temps. C'est ça. Bien, oui. Tchakala. On ne va pas vouloir des choses leur contraire. C'est-à-dire? Le Togo fait partie d'un espace régional. Et vous voyez un peu toute la ferveur que cela engendre notre crise. Les gens ne sont pas du tout d'accord. Les gens veulent nous aider. Et si, en interne, nous-mêmes, nous nous adonnions à ce qui ne prédispose pas ces facilitateurs-là à nous aider, là, ça veut dire que nous ne sommes pas sérieux avec nous. On ne va pas continuer à être la risée des autres. Quand il y a une crise, c'est vrai. Entre-temps, certains ne voulaient même pas prononcer le mot crise. À un moment... Ils ont mis leur carnet d'adresse pour venir peut-être changer la donne. Les Ibn Chambas qui nous donnaient des directives, ils sont où aujourd'hui? C'est que le problème togolais, la résolution incombe aux Togolais avec la bénédiction de certains facilitateurs. Il faudrait que nous allions là à partir du moment où ces gens-là ont marqué leur disponibilité. Ça veut dire que les émissaires qu'on envoie, ça ne veut pas dire que le président Nana Akufo-Addo n'a rien à faire et que non, il a été voté par un peuple. Oui. Et ce peuple attend de lui. Mais à un moment, s'il a marqué sa disposition d'aider le pays voisin à résoudre sa crise, là, il faudrait que nous aussi nous montrions sérieux, responsables, que pour accompagner cela. Mais je constate que non, les gens jouent sur certains agendas cachés pour faire perdurer la chose. Et c'est tout triste. Parce que si la crise dure, ça arrange certaines personnes. Apparemment, ça donne l'air. Sinon, pourquoi on n'irait pas cela? On donne des dates. Nous, on a appris que passé, ça devrait peut-être commencer. Aujourd'hui, on annonce le 10. On annonce le 10, mais au même moment, certains parlent que l'opposition doit laisser ses histoires de préalable. Même si, pourquoi les préalables, on voudrait-on qu'on laisse les préalables? Mais quand vous avez même des réunions au sein de votre petite famille, vous dites peut-être à vos enfants et à tout cela que non, on va se voir ce soir, mais voilà le point sur lequel nous allons discuter. Et vos enfants auront peut-être à préparer certaines préoccupations qu'ils vont poser au cours de cette petite réunion de famille. Maintenant, un problème d'ordre national qui a duré, qui s'est ancré dans le temps, et on ne voudrait pas que les gens viennent avec des choses,
ça veut dire que bon, là, on vous appelle, vous arrivez, et c'est en ce moment qu'on va se mettre, non, qu'on connaisse les préoccupations de chaque entité et qu'on les annonce. Et là, le jour venu, on pourra sortir les préoccupations de tel groupe et de tel autre. Et là, non, en tout cas, au niveau de l'opposition, c'est ce qu'ils demandent depuis des mois. Absolument, absolument. Là, pourquoi on va leur demander des choses? Parce qu'on voudrait que ça aille. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve qu'il y ait blocage parce que tel aura posé tel ou tel problème. Non, mais le problème, ce n'est pas une question de préalable. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est l'ordre du jour, les questions qui seront abordées. C'est normal que lors d'une réunion ou une rencontre, on ait l'ordre du jour. Oui. On va débattre de ci, de ça, de ci. La feuille de route. La feuille de route. L'ordre du jour est différent de préalable. Le préalable, c'est que si vous ne faites pas ça, je ne viendrai pas. Si vous ne faites pas ça, nous ne ferons pas ça. D'accord ? Mmh. Et là, ça devient aussi un élément de blocage. Parce que si le si n'est pas satisfait, alors on n'aura pas de dialogue. Et si l'autre camp ne veut pas aller au dialogue, donc il ne satisfera pas le si. Vous comprenez? Et alors, on sera dans un blocage. Donc, c'est la chenille. Oui, c'est la chenille. Vous comprenez? C'est pourquoi on dit, ces préalables-là pouvaient aussi faire partie des points à évoquer. Et vous trouverez, d'accord, des gens qui vont quitter la salle parce que quand vous vous retrouvez, que vous allez poser maintenant, autant que les gens sachent que voilà, nous, nos préoccupations, voilà les points sur lesquels nous ne transigerons pas avant l'entente de la chose. Souvent, les dialogues ont capoté parce que certains ont estimé que, ah non, on ne s'était pas entendu sur ça, et c'est quand ils sont venus qu'ils posent le problème et ils trouvent le motif de quitter la chose. Donc, autant que chaque le dialogue Togo Télécom. Ah, oui, absolument. Absolument. CPDC aussi. Non, je suis d'accord avec vous, mon cher confrère. Seulement que les gens qui ne touchent pas, vous aurez discuté de ça. Aujourd'hui, pour comment manifester sa bonne foi, le pouvoir au moins a libéré certains des personnes arrêtées, oui, lors des ça déjà c'est un pas, d'accord. Il y a plein qui restent à libérer, il faut le faire quand il faut le faire, c'est-à-dire on peut le faire aujourd'hui, on peut le faire aussi au niveau du dialogue, d'accord. Si vous dites le préalable et que c'est les préalables qui vont traîner, les gens restent aussi en prison et le dialogue aussi tarde. Alors si on fait le et si vous vous libérez ou bien vous acceptez, on fait le dialogue aujourd'hui et les gens sortent, je préfère encore ce cas de figure que vous dites non et que le dialogue vienne ou bien ait lieu dans 3 mois et que c'est dans 3 mois que les gens qu'on peut libérer aujourd'hui soient libérés dans 3 mois. C'est ce que moi je dis, c'est tout. Messieurs, merci beaucoup. Merci d'être venus pour le débat. Tchakala Alirou, le patron du journal Courrier de la République, et Olivier Adia, le patron de l'agence de presse AFIPRESS, du site AFIPRESS.info. Merci beaucoup à oui, Arakiri aussi. Il faut que on vous revoie très bientôt dans les kiosques Canada. Merci beaucoup à Dia Prosper qui assure la coordination technique. Appelez-moi Eric Gâteau. On se retrouve demain pour une nouvelle aventure sur la radio. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.